Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo et ce soir au milieu du soir nous avons KFC. Et oui, un fast food. C'était très nombreux de me faire un fast food encore après McDo et Burger King. Cette fois direction KFC, on va faire le fameux bucket challenge, à savoir 3 buckets de 13 tenders chacun. Bon, on va essayer, je promets rien, ça fera en tout 39 tenders. Je sais pas vraiment le grammage que ça fait mais j'ai vu les sauts. C'est balèze, franchement j'ai jamais mangé KFC, je vous l'avoue, c'est une première. Je kiffe le poulet pourtant, mais je suis pas trop fast food à la base. Je suis pas trop McDo, Quick, machin. KFC, on va essayer, pourquoi pas. Donc comme vous avez compris, là on est mardi soir. Le mardi soir, en général, KFC fait une promotion qui est 13 tenders pour 7 euros. Enfin, moins de 7 euros, tout comme ça. Donc on va essayer, 3 buckets de 13 tenders chacun. Vais-je réussir? Je sais pas. Là pour l'instant, il est 19h30. Je suis en plein travail. Enfin là, je suis en petite pause, mais là je suis au Big Karaoke, Saint-Michel. Je sais pas si on voit. Arrière, voilà. Donc un bar karaoké aux 4 suggères. Franchement, bah si vous voulez boire un coup, chanter, venez ici, c'est lourd. Je finis à 23h, donc 23h direction KFC. Je vais prendre 3 buckets de 13 tenders à emporter. Je crois que je la suis le plus proche d'ici, donc je prends Châtelet. J'espère qu'il y en aura encore à 23h30. Quand j'y arrive, je vais là-bas me garer. On va prendre à emporter. Et vu que KFC ferme à minuit, et ben direction Maghreb Saint-Plon, au 38 boulevard Orlando à Paris 18e, comme d'habitude. Moi je pourrais me poser jusqu'à 3h du matin il me semble en semaine. Donc voilà, donc là direction Big Karaoke pour aller bosser. Après 23h30, KFC, défi 3 bucket challenge et 13 tenders. Vais-je réussir? Allez, je sais pas, mystère, on verra après. Bon voilà, fin du taf, 23h, direction maintenant KFC à Châtelet. Les 3 buckets challenge, 13 tenders chacun, ça va être chaud. En plus j'ai déconné, franchement j'ai déconné. Là j'étais, il y avait un anniversaire d'un box. C'était 10 et ils ont pris 4 gâteaux de 10 personnes pour chaque gâteau. Imagine un peu la chose. Forcément il y avait des restes et franchement j'ai craqué, j'avoue, j'ai craqué. J'ai pris quoi, allez, peut-être 5-6 parts. Avec de la crème et tout. Et franchement ça m'a un peu calé là. Là je suis franchement j'ai pas forcément faim. J'espère que l'appétit va venir facilement là, enfin vite là, rapidement là, à minuit, on verra bien. En tout cas direction KFC Châtelet, prendre à emporter les 3 buckets, c'est parti. Bon voilà j'y suis, KFC Châtelet. Bon, pour info, je crois que mes deux poteaux que vous avez pu voir dans la vidéo du McDo, les 100 Mac Mega Challenge, Prismer et PCN, les deux rappeurs, ils m'accompagnent pour ce défi. N'hésitez pas à les follow leur page YouTube aussi, chaîne YouTube. Ils font du très lourd comme son. On va voir ce qu'ils font comme truc. Mon équipe de France, pas terrible. Nouvelle promotion, H-Tenders 11€. Je sais pas s'ils font encore la promotion du mardi. Hein. Prismer pour 7€. On verra bien, surprise. Bon allez, on va aller commander à la borne. C'est blindé. On sait, on y est, on a la borne. On va commander, hein. C'est parti. On va emporter, comme je vous ai dit. On s'en fout. Alors, les promotions. Le mardi, 13 tenders. Alors, on a le droit à 3 sauces apparemment. Épicé, vous connaissez, hein, j'aime bien ça. Et puis, salsa. Une boisson. Ça, à mon avis, on va esquiver, je pense. Pas la peine. On continue. Encore celle-là. On va prendre une suite impériale aussi. On va prendre une salsa. Non, merci. Et troisième,
tacos épicés, barbecue au cas où. Donc encore une tasse d'un. Voilà. Merci. Et maintenant on va commander. Vous voyez. Fresh tenders. Même pas 7 euros pour 3 tenders, c'est pas cher. On valide. Ouais, qui a payé. Et c'est parti. Oui. Bon, ça on va. On va filmer ça. Bon, c'est arrivé, 3 buckets avec les sauces. Attends, on va prendre ça à porter, direction mes crêpes, hein, c'est parti. Bon, c'est les amis, arrivé à Paris 18ème, direction le 38 boulevard Onano. Ma crêpe, c'est un plomb, tu pètes un plomb, c'est leur slogan. Je suis au KFC là, 3 buckets. Et dans la voiture, il y avait une odeur, franchement, une dinguerie. Comme je dis, un KFC, moi je n'ai enfin, jamais testé, mais l'odeur du KFC, waouh. Je crois que c'est pire que McDo, mais ça sent bon, hein. Ça sent grave bon. Et bon, dans mes potos me disaient, mais comment tu fais pour manger ça? Il fait super lourd, il fait chaud pareil là, il fait quoi, 26, 27 degrés, super lourd. On a plus tendance à avoir soif que faim, mais bon, comme je dis, on m'égaye pas. Il y a toujours moyen de manger en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure précise. Tant que c'est bon, plaisir avant tout. On se fait kiffer, c'est le principal. Moi bon, j'arrive, j'ai faim, enfin. J'ai soif, mais bon. Défi 3 bucket challenge, c'est parti. Bon, on est devant. Bon, finalement, je suis avec Drismer. C'est ça. Mais il n'y a pas PCN, il y a non, PCN, il n'y a pas. Samaï, mon gars. Samaï, ok. Ah, ouais. Un autre gars, mon petit gars, moi. Nouveau clip. Donc, ou pas ouais, nouveau clip. Disponible le 4 juillet sur okay. Ma chaîne YouTube. Ah, c'est bien. C'est le son avec mon gars Samaï. Ça marche. Drismer, 9-2-3-1-20. C'est ça. Oui. Et voilà, ça envoie cette fois-ci. Le 4 juillet, ça va sortir lourd. Le 4 juillet, ok. Ouais, clip avec Kevin Le Bronze. Le nom, c'est comme nous. Comme nous. Comme nous, ok. Voilà, comme nous. Ça marche. On reste nous-mêmes. Après, validé comme nous. Voilà, validé voilà. Après comme nous, c'est ça. Tout est carré, comme tu dis. Tout est carré, tout est bon. T'inquiète pas, voilà. Là, t'as retenu. Ah, c'est ça, c'est là, voilà, tout est carré, tout est bon. Les gars du 9-2, là, on retient un peu ta voilà, c'est ça même, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le lien, il sera dans la description. Comme d'habitude. Voilà, je vous invite à commenter. Ça franchement, va. J'ai eu des bons retours de fou. Tes abonnés, vraiment, ils. Vidéo McDo là, sans nuggets, franchement, c'est sans nuggets. Il y a eu du plus, il y a eu du moins. Ah ouais, choqué? J'étais choqué. Là, j'étais choqué. Franchement. Sans nuggets, frère. Qui va manger sans nuggets? Bah là, écoute, il y a 3 buff tenders. On va dire 40, on va dire. Ah, bonne chance. Franchement, 40, c'est fou. C'est plus balèze qu'un nugget, un tender, ça fait quoi? 2-3 nuggets? On va essayer. J'ai bien, on va essayer. Pas trop vite, mais bon. Non, il va réussir. En tout cas, eux vont prendre des crêpes comme d'hab, crêpes salées, sucrées. Salé, ça, il n'y aura pas de fake ou quoi. Tout seul. Une bien chargée. Voilà, une bien chargée. Quelques potos aussi, Mads là. Je pense que vous connaissez. On va donner la force. On va donner la force, il va me motiver un peu là. Bon, allez, c'est parti. J'ai faim. Go. Bon, Colin Sanders, t'en dis quoi? Mais taf ou pas tes poulets là? Sanders. Ils m'ont mis un petit sandwich au cas où si j'ai faim, un petit crunchy barbecue, je sais pas quoi là, on dessert si jamais. Bon, on va déballer ça. Bon voilà, 3 sauts, 13 tenders, et franchement, on a plus gros que ça. Après, j'avoue, c'est pas les derniers tenders. Hein. C'est 2-3 nuggets, c'est facile. On a 13 chacun, en tout 39 avec les sauts et tout. Mais je pense que j'aurais pu en taper 4 ou 5, franchement, honnêtement. Mais là, ça me paraît petit par contre, sur l'habitude. Mais environ 2 kg de poulet, frit, bon. Ça sent super bon. Le poulet c'est la vie. Confiant ou pas les gars? Confiant, toujours. Confiant? Toujours. En même temps tu disais que pour toi c'était trop. Non, c'est trop quand même. C'est trop. 3 sauts, tu sais que tu te rends compte, c'est 3 sauts. 3 sauts KFC. Est-ce que ouais. Tu te rends compte? Je sais pas, j'ai mangé KFC. Ah, c'est presque 4 personnes ou 3 personnes, je sais plus. Mais bon, tu me dirais, il n'y a pas les frites et tout. Mais bon, franchement ça va le faire. Non, donc, ça va. Bon, ça y est, je vais 3 sauces, une salsa, une hot, je sais pas quoi là, too hot for you, et une, l'autre c'est quoi là ça? Sweet Imperial. Je sais pas ce que ça vaut, on va tester ça. Un tenders, t'avoues, c'est bon, hein,
Tu sais que j'ai fini pas avant. Un peu, je vais te caler, quoi. Très calme, bien. C'est après, tu me chies un peu dans le bras. C'est compliqué. C'est vrai que ça me paraît peu, les quantités. C'est comme, c'est du poulet, comme c'est du poulet à la chaque fois, tu vois. Peut-être. Je sais ce que t'envoies. Bien bourré. Je crois que c'est un méga sang. Enfin, calme. Moi, je crois que c'est plus fort que c'est un méga sang. C'est un méga sang. Non. Ça, c'est plus fort. Je sais pas, son nugget, trop top tender. Tu vois, c'est comment, qu'est-ce que moi. Un jour, on va lui amener un gigatième, on va voir que là, c'est quoi. Ça, tu peux le faire. Gigatième. Dis-moi, c'est quoi ça. C'est quoi, c'est. Moi, je pense que ma fille. M'a fait ses poulets riz, tout arachide. Mais c'est ça. C'est le tiep, c'est. Le tiep, c'est le riz toi, qui cuit dans la sauce tomate. Ok. Et son riz, après, il est rouge. Ok. C'est pas qu'un tiep. Un tiep bouillable, tu vois, c'est la nationale du Sénégal. Avec des poissons. Un tiep bouillable, c'est avec la viande, tu vois. L'œuf ou autre. Un tiep bouillable, tu vois, c'est le poulet. En gros, essentiellement, c'est du riz, quoi. Du riz, riz. C'est ça, le riz. Ah bon, le riz, hein. C'est lourd. Ça cale, hein. Ah oui, moi c'est un défi là. Défi tiep. Après tout, mais soit un restaurant qui me le fait, moi XXL, soit le Charles Abonné ou quelqu'un qui me le fait et moi je suis chaud. Tiep, m'a fait. Dites-moi en commentaire, vous avez un. Vous savez pas le tiep qu'on m'a fait. Moi je prends. Il prend. Il y a ça et tout là. Il prend. Ah ouais, tiep, c'est bien. Et couscous maison, tiep, il y a ça, un truc qui change d'ordinaire. Je prends. Paella aussi. Paella, personne. Quelle astuce là. Shot for you là. Pas mal, franchement, on cote un petit peu. Comme ça, ça c'est toi. Je vous sens. J'en ai pas. T'as où son gros, hein, tender ça. C'est pas élégant ça. C'est pas élégant. Allez Tenders, le 13ème. Franchement, vraiment en lambda, c'est un bon mangeur. Un suffit. Donc 13 Tenders pour 7 balles. Allez-y, il me retire. Vous êtes calé. Hein. Mais c'est où? Je sais que c'est pas mon délire, mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est bien. Parce que deuxième, ça fait ce que non. Après, des fois, ils font des événements, soirée, un peu plus, et ils font des bruits. Oui. Mais là, et ça se vend bien. Ça se vend bien, ça part bien. Ça se vend bien, ça part bien. Mais ça part bien. Oui, c'est bien. Et ils sont énormes. Les pandémies. C'est un demi avant bras. C'est une bouteille, question. Ouais. Il y a facilement 3-4 nuggets. Ouais, c'est très cool. Aussi, là, ça fait la friture, pas de poulet.
Il me reste la moitié. Non, bien. Je sais pas, j'ai pas compté donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, la moitié. Très bien, au calme. C'est bon pour la crêpe. Franchement, elle était bonne la crêpe. Ah, bah, quête un plomb, on pète des plombs ici. Hein. Ouais, mais la crêpe, c'est dedans. Hein. Maintenant c'est dans le sang maintenant. Hein? Maintenant c'est dans le sang. Dans le sang, c'est la maison. C'est la maison. Première fois que j'y vais, je suis pas déçu. Ouais, c'est pas bien, c'est ça en fait. Là j'avais une fois. Là j'avais du KFC, normal, on peut se poser au cam, pas de problème. Généralement on se fait virer et tout. On peut se poser, il y a des prises. T'es dégoûté. Mais ouais. C'est dingue ça, tu vois, t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. C'est... T'en manges, t'en manges 3-4, ça y est, t'es déjà. C'est vraiment ou pas? C'est vraiment qui? Tranquille. Tranquille. T'as reste combien là, ça fait 13. 13. Bonne chance. Merci. Ah, t'as éclaté le deuxième saut là? Hein? T'as éclaté le deuxième saut? Tiens, j'arrête. Tiens. Ah, enfin, qui capte. Il me reste 3. Oh, début de sauce. C'est radin à caisse. C'est chaud ça. Merci. Épinard. Attends, reviens là. Épinard. J'ai pas mis de viande. Hein. C'est petit aujourd'hui. Saumon, œuf, épinard. Le truc. J'ai du thon. Ah non, j'ai pas de pommes de terre. Et du chef. C'est un truc, je pense à quand on disait à midi, tu vois. Le soir, il est plus mort. Moi, les crêpes, j'ai commencé à les manger. Arrête, c'est comment il t'en reste deux. Il lui en reste deux, les gars. Franchement, regardez. Un, deux. Le troisième, il est bientôt fini. Je sais pas. Proposez-moi des défis. Il est trop fort. Trois sauts. Ça va être trois sauts. Trois sauts. Andiamo a cacchiare solo.
Il t'en reste deux. Deux. Ouais. Et le défi, c'était combien? 39. Là, c'est ton... 38ème, là. Ouais. Et là, ils se sont trempés. C'est ça. Le 4ème, tu l'aurais fini, sérieusement? Ah oui. La 5ème? Il y a moyen. Il y a moyen. On aurait dû faire 5. On aurait dû faire 5. 5. La France, c'est pas facile. Non. Et le dernier, hein. Il est énorme. Le gros soudé dans le bateau. Quand j'ai envie d'aider un grain à l'hôtel, je roule 2-3 après je mets un râteau. Ouais, comme ce qu'on s'aime. Et si je la crotte, ça veut pas dire qu'on s'aime. Sans mettre la crotte, ça fait comme à l'ancienne. Si tu vois des pesos, t'as encore dans la scène. Oh bébé, tu veux qu'on passe un week-end à l'autre? Si je me fais péter, c'était déjà long. Mais maman, j'ai niqué, je ne compte plus le nom. Dès qu'on sort du délo, je ne connais plus ton nom. Allô, Giga, là j'ai pas le temps, ça fait demain. J'ai pas fumé de la roue, je marronne. Pas du genre à passer par quatre chemins, même s'il mène tout sa robe. Puisque je passe la peau de ma vulgarité. Donne une deuxième chance à quelqu'un qui t'a trahi. Donne une seconde balle à quelqu'un qui t'a raté. Ah oui, hein. J'attends que l'heure sonne, j'ai mis le réveil pour le jour de paye. L'heure qu'elle le donne, elles sont attirées quand elles voient 20 bouteilles. Faire de l'amour, là je crois qu'un peu vivre gros du Monday au Sunday. Il rend des poussins donc son offre bitch à moi et dealer 4ème day. Ouais, ouais, dealer 4ème day. Héros de putain, donc son offre bitch à moi et dealer 4ème day. Faire de l'amour, là je suis croqueur de vie gros du Monday au Sunday. Héros de putain, donc son offre bitch à moi et dealer 4ème day. Ta daronne porte le foulard. Et toi petit con tu finis dollar. Vive les dorés, vive les dollars. C'est parce que tu disais quand y'avait la volaille. Et maintenant faut payer l'avocat. La putain de sa mère, faut du bif de la moula. Je les entends dire que les quotas n'existent pas. Les keufs contrôlent jamais le petit Nicolas. C'est la rue la vraie, on craint pas les guillis. Mes gars sont ratés, je parle pas de synthétique. Comme le karaté, t'avais cru t'étais qui la vitre éteintée. T'as capté le délire, c'est moi le meilleur avoueux. Première puissance c'est pas voulu. Je suis au Tchéka avec Y2. Parce que c'est le seul qui m'a jamais descendu. Bang, c'est pas de ma faute si je rendu d'elle. Elle veut déjà que je l'emmène à l'hôtel. Faut que je la baise. Mais ça m'aille, dis-lui 4ème day. Allo Chica, y'a les chicken. Chicken Chica dans la kitchen. Dans Game Bagel, y'a que des suceurs. Ils ont les nerfs parce que je me suis fait tout seul. J'attends que l'heure sonne, j'ai mis le réveil pour le jour de paix. L'heure qu'elle le donne, elles sont attirées quand elles voient 20 bouteilles. Faire de la moula, je suis croqueur de bif. Faut que tu m'en aies au Sunday. Hey. L'erreur de Pouda, donc son offre bitch à moi, dealer 4ème day. Ah oui. Ouais, ouais, dealer 4ème day. L'erreur de Pouda, donc son offre bitch à moi, dealer 4ème day. Faire de la moula, je suis croqueur de bif. Faut que tu m'en aies au Sunday. L'erreur de Pouda, donc son offre bitch à moi, dealer 4ème day. Ah, lourd, franchement, les gars. Ça va, vous avez fait. Respect, merci. Ok. Le 4 juillet, un nouveau clip, franchement. Voilà, le 4 juillet, un nouveau clip là. Bon, celui-là, il est dispo sur YouTube. Celui-là, il est déjà en barre d'infos. Voilà. Et franchement, là, j'ai de la force à finir ça. J'ai de la force. Il te reste 2 crocs. Et là, bientôt, les nouveaux pas, ils vont sortir. Franchement, restez branchés. Ça, c'est un petit apéritif. Ça, c'est un poulet. Ça, c'est un tender. C'est un tender, c'est ça. Non, franchement, lourd. Merci en tout cas. Avec plaisir. Et la prochaine fois, je vais te donner un défi irréalisable parce que là c'est trop facile. Non, attends, on te donne des nuggets. On te donne des nuggets. Comment les défis là des trucs, des... On m'a dit défi.
20 ou 30 crocs McDo, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. 10 Big Mac, 10 McChicken, pourquoi pas. Ouais. Les hamburgers, les cheese aussi. Hamburger cheese 20, on m'a dit je crois 20 ou 25, ouais, je sais plus. Ouais. Eh, doucement, hein, pas 50, regardez, il m'a mis 500. Après, je vais un mec, il m'a dit mange 500 M. Alors lui, lui tu veux que je meure 500 M, mon gars, c'est impossible. En deux jours peut-être, mais 500 M. Non, c'est trop. Eh, c'est... Ou 3 gigas tacos. Non, mais t'as compris, 3 gigas tacos. En une fois, il se rend pas compte de ce que c'est. Ah ouais, c'est ma crêpe ça. Attends, à moi d'aller manger. Bon, j'ai fini. Bon les gars, 3 buckets, 13 tenders, 3 buckets challenge KFC. Réussi, fini. Franchement, je vais aller prendre 4. 4 ou 5. Parce que 3... 3 c'était easy. Moi j'ai pensé à prendre un essai, heureusement. Là c'est un... Crousty... Crousty chicken by KFC. Crousty chicken barbecue, je crois. Crousty barbecue, un truc comme ça. Est-ce que ça vaut? Je peux confirmer, de toute façon moi je suis habitué. Moi je vois ça tout le temps, tu vois, c'est... En fait c'est... Ok, deux tenders dans un burger quoi. Tenders cheddar, on a deux. Salade tomate, bon, salade oignon. Cheddar, barbecue. Dans un pain... un peu dur. La refroidit le dessert. C'est ça ton dessert. Petit dessert. Bon, en gros, j'ai mangé 41 tenders. C'est ça, avec un petit fond de musique derrière. Tout, un petit fond d'instrument. 41 tenders. Parfait. Là, c'est une chambre d'hôtel. Tu dois prendre ça comme ça, non? Si, quand même. Tu sais pourquoi? Parce que lui, c'est pas la rapidité. Voilà, petit défi là. Ah ouais? Pas réussi. Non, je rigole. 3 sauts. J'avoue, il m'a déjà eu une fois. T'as cause d'1m40. Hein? Là, c'était ici. T'as cause de 1m40. De long. C'est ici? Non, mais c'était le jour où on était allé là. Non, mais fermé, ça va. Ouais, c'est... Tu vois l'idée, on peut aller là, donc c'est comme si elle fait la tête de Nerd Darren en fait. Comme ça. Non, c'est pas table. Oh, c'est pas table. Pas table, pas table. Pas table. Bon, en fait, t'as un gros bonheur, toi. Il me reste deux crocs. C'est pas juste sur la première région. Tu vois, c'est bon. Il y a la forme derrière. Parce que final, c'est vrai que tu tombes avant. Félicitations. Merci, mission accomplie. Il vient de finir 3 sauts. 3 sauts normal. 3 sauts 39. 39, ouais. Chacun. Ah, pas de bouffe. Bon, ça y est, fini le 3 bucket challenge de KFC. 39 tenders plus le. Je sais plus quoi, la crunchy barbecue. Bref, validé. Franchement easy, j'aurais pu en prendre 4 ou 5, je sais pas, mais bon. Bon, on va se calmer là, là il est quoi, il est 2h du mat. En tout cas les gars, merci à vous. Parce que 3h en tout cas. Franchement, force à toi. Franchement, force. Ça, c'est gentil, force à eux deux aussi. Prochaine fois, on fera un grand challenge encore mieux. Ouais, un grand challenge. Bah, écoutez, 3, c'est facile 3. T'as mangé ça sans pause, tac. J'avoue, au calme. Il a enchaîné. Franchement, bah, là, je mets tout en barre d'infos, les liens, Rismer, sa chaîne YouTube, son dernier clip le 4 juillet, tout ça. Toi pareil. Ouais, c'est le 4 juillet, voilà.
En tout cas les gars, bah merci. Merci. Et encore merci, merci à tes abonnés. Ouais. Parce que franchement, c'est, ils ont fait ça bien, ils ont soutenu en fait. Je sais qu'il y en a plein qui ont suivi, qui ont été voir la chaîne, qui sont abonnés. Ouais. Franchement, on peut donner de la force, c'est ça. C'est bon. Moi je pensais pas qu'il y aurait autant. Je pensais pas qu'il y aurait du bon taf, du bon taf, ça et tout. Franchement, ils sont. En plus, ils sont en showcase le 13 juillet. C'est ça. Je mettrai aussi le lien, enfin tout ce qui est info et tout par rapport au showcase. Vous êtes bienvenus sur Paname. En tout cas, les gars, merci. Vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, like avec votre un maximum. Dites-moi en commentaire des défis genre McDo, machin ou autre, d'autres restaurants. Moi, je prends tout. Suivez-moi également sur Snapchat, Instagram et Facebook. Je prends tout aussi. Voilà. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les gars, ciao.